Donc, nous en venons à euh, l'article 26, comme je le disais à l'instant. Il y a des amendements identiques qui peuvent être soumis à une discussion commune. Madame Dalloz, l'amendement 465 est défendu. L'amendement 2455 est défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable, Madame la Ministre aussi, Madame et euh, l'Assemblée aussi. Donc les deux amendements ne sont pas euh, adoptés. Monsieur Botterel, vous présentez l'amendement 2475. C'est vous, Madame, allez-y. Madame formantion Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit oui, d'un amendement de cohérence du texte, euh, vu que le visa octroyé euh, au, par l'AMF aux émetteurs de crypto ICO euh, est optionnel et il est difficile pour l'AMF d'exercer de, un droit euh, de l'interdiction d'émissions futures de jetons. Donc, euh, dans ce cadre, je propose à ce que l'AMF euh, ne puisse pas interdire l'émission, mais par contre, euh, puisse communiquer le plus largement possible sur le retrait de son visa auprès d'un émetteur afin qu'il ne puisse pas s'en prévaloir euh, après n'avoir plus respecté les règles d'après l'AMF. Merci. Merci, Madame Dalloz. L'amendement 1715 c'est un amendement de, de m. De eric wirth, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président. et il est dans, exactement dans le même esprit. il reprend euh, le même exposé des motifs que celui de ma collègue précédemment défendu. merci, Mme dalloz, monsieur le rapporteur. merci, euh, <coughs> monsieur le président. Euh, oui, euh, euh, deux idées qui, qui permettent de clarifier ce qui se produit quand euh, l'émetteur, a reçu le visa optionnel est apparu sur la liste blanche euh, que, que tiendra à jour euh, l'AMF, mais ne respecte plus les conditions euh, du visa. Et donc euh, dans les deux cas, il est il est, en tout cas dans, dans l'amendement de Madame Formuntian, il est prévu que l'AMF fasse une communication qui indique et qui avertisse. Euh, les, euh, les investisseurs éventuels que euh, l'émetteur ne respecte plus le visa. Euh, dans euh, la version de M. Wörth, euh, on a sorti cela de sanctions qui sont euh, significatives et je vais donc euh, plutôt donner une préférence à la version de Mme Formuntian pour qu'on euh, reste dans l'esprit de, euh, de souplesse et d'incitation euh, du dispositif. Donc un avis favorable sur celui de Mme Formuntiane et une demande de, de retrait, de ralliement euh, à l'amendement de M. Wert. Attendez, Mme la ministre, peut-être pour vous simplifier la tâche et de l'Assemblée aussi. Mme Dallos, vous retirez l'amendement D'accord, Mme la ministre. Monsieur le Président, Écoutez, sur ces deux amendements, je suis du même avis que le rapporteur, c'est-à-dire euh, euh, aller dans, dans le sens euh, proposé par euh, Madame Formontian avec un régime qui soit équilibré entre la protection du consommateur et l'incitation à l'innovation responsable. Euh, et donc, euh, premier amendement favorable et, et re, proposition de retraite sur le deuxième. Bien, Madame Dallos. On n'a pas pour habitude, Madame la Ministre, de retirer les amendements que nous déposons, même malgré votre avis défavorable. Mais je constate quand même, c'est assez surprenant votre argumentaire, et notamment l'argumentaire du, du rapporteur. Euh, un organisme qui euh, a, eu, a obtenu un agrément, mais qui délibérément émet, euh, des, ne respecte pas euh, le cadre des émissions, il a toujours le droit, on lui laisse, c'est-à-dire que l'AMF ne peut pas lui retirer le visa qu'elle a délivré. C'est quand même assez extraordinaire de l'entendre. Il valait mieux venir ce soir pour entendre ça. Oui. Euh, donc l'amendement est maintenu. Monsieur le rapporteur. Oui. J'entends euh, votre réflexion et on a eu euh, une partie de ce débat euh, avant la pause. Effectivement, la question s'est posée de savoir s'il fallait rendre ce visa euh, optionnel obligatoire. Et en réalité, euh, la, la question se pose doublement, à savoir si je veux émettre, est-ce que je suis obligé de demander le visa à l'AMF ou est-ce que je ne suis pas obligé Et ensuite, si j'ai euh, si demandé le visa à l'AMF et que je ne l'obtiens pas, est-ce que je peux émettre ou non le choix qui a été retenu par, dans le cadre de la pré-consultation qu'a menée l'AMF et qui est soutenu par un certain nombre de députés qui ont travaillé sur ces sujets, c'est de plutôt garder le maximum de souplesse et le caractère incitatif de cette régulation pour deux raisons. La première, c'est qu'à nouveau, il s'agit de susciter des comportements vertueux et d'inciter les émetteurs à venir, euh, à venir chercher, euh, s'adapter au, au visa de l'AMF et apparaître sur la, sur la liste blanche. Mais d'autre part, il y a aussi un principe de réalité qui serait en pratique très compliqué euh, de, de, de sanctionner euh, ces émetteurs dès lors qu'ils euh, qu ne respecteraient pas toutes les conditions que va fixer l'AMF dans le règlement euh, qu'elle va, euh, qu va construire. Si on, on, on suit votre, euh, votre idée et qu'on la, qu la met en œuvre, qui viendra réclamer ce visa Plus personne, puisqu'il y aurait un risque euh, de demander le visa, de l'obtenir, et puis euh, pour des raisons peut-être parfois de bonne foi, euh, parce que euh, pour des raisons qu'on n'a pas pu anticiper, on ne correspond plus, on ne répond plus exactement au cahier des charges initial, alors on serait sanctionné très lourdement mieux vaut dans ce cas-là rester dans le gris, dans la zone grise dans laquelle euh, se situent aujourd'hui les émetteurs, à savoir euh, d'émettre des jetons euh, sans essayer de se conformer euh, aux bonnes pratiques proposées par l'AMF et sans, euh, sans par ailleurs euh, essayer de s'installer en France puisque c'est euh, un des objectifs qui est visé par la législation. Et donc euh, c'est ce cadre souple qui nous fait préférer la proposition de Madame Formintiane vous euh, correspondez au cahier des charges, vous apparaissez sur la, la liste blanche, mais dès lors que vous en écartez, on ne vous empêche pas d'émettre, mais on envoie un, avis très, un signal très négatif au marché. Mais en revanche, on ne vous sanctionne pas abusivement, sinon euh, ça ne devient plus très intéressant. En tout cas, ça devient risqué de demander ce visa-là. Bien, donc euh, je répète pour clarifier, donc il y a un avis favorable de la Commission et donc du gouvernement sur le 2475 défavorable sur le 1715. Donc je consulte sur le 2475 qui est pour, contre, il est adopté. Le 1715 pour, contre, il n'est pas adopté. Madame Formenton, le 2715. Merci Monsieur le Président. Euh, en l'occurrence, euh, avant que le visa soit mis euh, en vigueur, donc avant que ce texte soit définitivement voté, et il y a eu déjà des, des émissions de ICO. En France. Et donc, je propose à ce que l'AMF puisse se prononcer sur euh, la validité euh, de ces offres de jetons afin de donner accès euh, à ces entreprises aux droits, aux comptes euh, que l'AMF puisse se positionner si le, les émetteurs avaient respecté les règles qui sont décrites dans l'obtention du visa puis qu'ils puissent accéder à tous les avantages qu'on a créés pour l'écosystème dans ce texte. A posteriori et uniquement pour les émissions qui ont été réalisées avant l'entrée en vigueur de ce texte. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis. Merci, Monsieur le Président. Pour régler le problème du droit au compte pour les entreprises qui ont déjà émis, euh, il faut souhaiter que l'amendement qui vous sera proposé dans quelques euh, instants euh, permette de résoudre une partie ou peut-être même l'essentiel du problème. Ensuite, sur la proposition que vous portez, euh, il y a là aussi euh, deux, je dirais, euh, euh, peut-être faiblesses. La première, c'est que euh, même si effectivement il faut pouvoir permettre à ces entreprises qui ont émis des jetons de pouvoir éventuellement les convertir en monnaie, en euros, pour pouvoir financer leur développement. Euh, mais l'intention première de ce texte, c'est bien évidemment d'encourager les futures émissions à se conformer. Au cahier des charges. D'autre part, euh, à nouveau une question de faisabilité, une question pratique, euh, pas évident pour l'AMF euh, de et euh, eh bien euh, se, je dirais partir à la recherche des émetteurs qui ont déjà émis euh, les jetons, puisque la, la manière dont euh, le visa a été conçu. Euh, Vise les premières émissions, enfin le moment de, de l'émission. Et donc il faudrait à ce moment-là euh, imaginer ce que c'est que le visa sur des jetons qui ont déjà été émis et ça soulève un certain nombre de complexités qui ont été soumises à l'AMF. L'AMF a. L'AMF a effectivement signalé qu'il y aurait sans doute des difficultés dans la faisabilité de cette, de cette mesure et c'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer cet amendement, tout en gardant en tête qu'il faut que le droit au compte qui a été voté dans, la, dans le cadre de la commission spéciale et qui va être renforcé par les amendements qui vont être adoptés puisse s'appliquer effectivement ou puisse être étendu aux entreprises qui ont déjà émis ces jetons. Merci. Madame la ministre. Oui, même avis. Même avis. L'amendement est maintenu. Je retire. Merci. Madame de la Rotière, vous avez... Euh, non, pardonnez-moi. L'amendement 1649 est soutenu et défendu, pardon. Monsieur le rapporteur. C'est ce que je disais, donc. Allez-y. Ah, je suis bien là, mais il se trouve que celui-là, je vais le retirer. Bon, voilà. C'est ce que je pensais, mais c'est mieux de l'entendre dire. Voilà. Madame Fortin, c'est pas vous Allez-y. Non, c'est Madame Aignan. Madame Aignan. Merci, Monsieur le Président. Notre majorité a émis un signal fort en adoptant en commission spéciale un accès aux services bancaires encadré pour les entrepreneurs émetteurs de jetons qui auront obtenu un visa de l'AMF. Cet accès répond à une nécessité vitale pour les émetteurs de jetons, mais également pour des start-up qui veulent développer des nouveaux services sur la blockchain et auxquels l'accès aux services bancaires a été systématiquement refusé par les établissements de crédit. L'objet du présent amendement est d'étendre cet accès aux plateformes d'échange et aux prestataires permettant l'investissement en actifs numériques et pour lesquels un mécanisme d'enregistrement et d'agrément auprès de l'AMF vous sera tout à l'heure proposé par mon collègue Éric Botorel. L'extension de l'accès aux comptes aura pour effet de renforcer le développement d'un écosystème français robuste de la blockchain. Merci, et nous avons sur cet amendement deux sous-amendements présentés par Madame de la Je vais les défendre, mes chers collègues, et je vais les défendre avec beaucoup d'énergie. En fait, je vais vous parler un petit peu de ma visite en Suisse avec Jean-Michel Miss il y a quelques semaines. Nous sommes en concurrence avec la Suisse, et la Suisse est. Disons à dix semaines d'avance, dix mois d'avance sur nous, concernant le développement de l'écosystème blockchain et notamment de la régulation. Et ils ont mis en place trois choses extrêmement importantes. D'abord, ils ont une avance de dix mois en matière de régulation. Et la Finma indique clairement aux entreprises les règles à appliquer selon les catégories d'opérations effectuées. Et c'est le but de nos débats aujourd'hui avec l'article 26 et avec les amendements qu'on va adopter. Et puis, il y a un véritable accès aux comptes bancaires, non pas qu'ils ont mis des dispositions législatives dans, dans, dans leur loi, parce qu'en Suisse comme en France, toutes les grandes banques internationales refusent l'accès aux comptes. Et ce que nous avons mis dans l'article 26 euh, en commission spéciale et qui a été très bien expliqué par ma collègue Christine Eignon n'est pas suffisamment normatif et ne va pas changer la donne. Il faut se dire les choses. Ce n'est pas une obligation qui est donnée aux, aux, aux banques. Et les banques, aujourd'hui, sont tétanisées à l'idée d'ouvrir un compte bancaire aux émetteurs d'ICO et, et à tous les entrepreneurs de la blockchain. Mais la Suisse a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a des banques nationales qui ne sont pas internationales. Et elle a une banque publique aussi qui ouvre un compte et un accès euh, aux entrepreneurs de la blockchain. C'est la banque cantonale de Neuchâtel. C'est quand même dingue de se dire que en, en, en Suisse, il y a une petite banque, le canton de Neuchâtel, c'est plus petit qu'un département français, qui a la possibilité en fait, de satisfaire un marché et de développer un écosystème en ouvrant euh, des comptes euh, aux entrepreneurs de la blockchain. Alors ne croyez pas que les Suisses sont moins regardants en termes de euh, KYC ou en termes de lutte contre le blanchiment que nous le sommes en France. Ils appliquent la même réglementation que nous. En revanche, ils n'ont pas peur des sanctions américaines par application de l'extraterritorialité de la loi américaine. Et je propose en fait que si les banques françaises, malgré l'amendement fort judicieux que nous avons adopté en commission spéciale à l'initiative de la majorité, vous voyez comme je, je vais dans votre sens, euh, mais même si jamais ça ne marche pas, et moi je doute que ça puisse marcher, il faut absolument qu'on puisse par subsidiarité avoir un lieu où les entrepreneurs français aient un droit au compte. Alors, mes deux sous-amendements proposent deux solutions différentes pour ça. On a deux possibilités. On a soit la caisse des dépôts et consignations. Dans le statut de la caisse des dépôts et consignations, il y a le principe de subsidiarité et ça serait donc possible pour la caisse, qui est quand même moins exposée au regard des sanctions internationales des États-Unis euh, à nos grandes banques internationales françaises. Ou alors la deuxième solution, finalement, c'est la Banque de France. Permettez-moi de vous dire, on m'a dit aussi en commission qu'il existait dans notre loi française un droit au compte. Mais s'il existe un droit au compte dans la loi française, ça ne servait à rien de rajouter une dispositif à l'article 26. Il se trouve que le, le droit au compte qui existe dans notre législation française, dans le Code monétaire et financier, a l'air de ne pas s'appliquer dans ce cas-là. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas une spécialiste du code monétaire et financier, mais il ne s'applique pas. Et aujourd'hui, les entrepreneurs déménagent en Suisse pour ce fait-là. Donc même si on met en place une régulation efficace à l'article 26, comme on le fait aujourd'hui, tant qu'on ne réglera pas le problème de, de l'accès aux comptes, et qu'on le réglera complètement, on n'arrivera pas à développer l'écosystème en France. Parce que les entrepreneurs ont nécessairement besoin d'un compte en banque pour pouvoir développer leur activité. Tout le monde sait, une entreprise a besoin d'un compte en banque. Donc, mesdames et messieurs, mes chers collègues, il faut régler ce problème aujourd'hui. C'est ça. Et donc, je propose deux solutions. Alors, à vous de choisir hein. la Caisse des dépôts et consignations par subsidiarité ou la Banque de France. On aura un troisième sujet à régler. Il y a trois raisons pour lesquelles il faut, euh, et sur lesquelles il faut agir pour développer la blockchain et euh, les crypto-actifs en France. Donc, la régulation, on l'a vu, le droit au compte, et puis le dernier point, c'est la fiscalité et la comptabilité. Et la fiscalité et la comptabilité, les Suisses soucis, sont en avance sur nous. On est en vraie compétition internationale, et ça, il faudra avoir le débat dans le cadre du projet de loi de finances pour la sécurité. Euh, projet de loi de finances, pardon merci monsieur le rapporteur votre avis sur les trois amendements oui merci euh, monsieur le, le président donc tout d'abord euh, saluer l'amendement le, 24 euh, 80 et, et, et le 1765 qui vise euh, qui vise la même chose c'est à dire d'étendre le droit au compte qui a été adopté en commission spéciale euh, aux plateformes ce qui est absolument essentiel. Ensuite, concernant les remarques que notre collègue a faites à l'instant, je crois qu'elle a tout à fait raison de dire qu'il ne suffit pas d'une certaine manière de brandir un droit au compte dans la loi pour que euh, ça soit suivi euh, d'effet parce qu'il y a un certain nombre de contraintes qui s'exercent sur les établissements bancaires euh, qui euh, parfois les empêchent de faire les de mettre en place ces comptes euh, notamment dans les délais impartis euh, ce qui, il y a deux approches à cela, euh, la première c'est celle que vous proposez qui consiste à dire il faut un prêteur du dernier ressort et euh, de ce point de vue là euh, on n'a pas été complètement convaincu que la caisse des dépôts puisse jouer ce rôle là car elle est de ce que la, nos, nos échanges de ces derniers jours depuis la commission spéciale nous ont fait comprendre. Elle n'a pas nécessairement plus de liberté que d'autres établissements bancaires pour le faire. Elle est notamment partiellement soumise aux mêmes contraintes d'extraterritorialité que certaines des banques françaises. Et donc, il nous paraît que ça ne pourrait peut-être pas suffire à résoudre le problème. Et donc, ce serait plutôt euh, une demande de retrait sur vos deux euh, sous-amendements. Mais évidemment, on euh, ne peut pas laisser euh, les choses euh, en l'état. Et il faut euh, aller plus loin pour essayer de faire en sorte que euh, cette réticence euh, qu'expriment les banques quand elles ne souhaitent pas mettre en place des, des comptes pour euh, les, les émetteurs ou pour les plateformes soit résolue, je dirais, euh, à la base. Et pour cela, il euh, y a l'amendement euh, qui arrive le 24. Euh, Enfin, L'amendement que, que nous allons discuter, euh, qui notamment règle une partie du problème euh, en, en s'assurant que la CPR euh, effectue les, les, les diligences nécessaires à ce que la, la lutte, enfin, euh, que les, les, je dirais que le risque d'exposition de, euh, à, à, à l'anti-blanchiment soit réglé, ce qui pourra permettre ensuite aux banques de prendre le risque, entre guillemets, ou en tout cas d'ouvrir bien volontiers euh, les comptes euh, aux, aux personnes qui auront. Euh, trans, enfin, qui auront transféré leurs crypto en monnaie euh, en monnaie euro. Donc il y a, il y a deux manières de, de résoudre le problème. Il y en a une qui est de résoudre en, en, en créant un prêteur de dernier ressort, mais on n'est pas convaincu à ce stade que la, la Caisse des dépôts puisse jouer ce rôle. Et, et l'autre manière de le faire, c'est de traiter le problème à la racine. Et c'est en partie ce qui est fait par, dans, dans l'amendement que nous allons discuter dans quelques instants. Donc Pour résumer, monsieur le rapporteur, vous êtes favorable au 24,80 et retrait ou défavorable aux deux sous-amendements C'est bien cela Et sur l'amendement 1765 Retrait ou défavorable D'accord. Donc, Madame de la Raudière, je vous laisse présenter l'amendement 1765. Non, mais il, il, est, il est défendu. C'est est une autre façon d'aborder le droit au compte, à mon avis, qui était intéressante en mettant dans la boucle l'AMF et la CPR. Euh, donc, je. je voilà, je, je le défends ainsi, mais les, les autres sont différents en matière, puisqu'ils sous, sous-amendent le 2480, qui a des fortes je chances d'être adopté. Je remarque, euh, Monsieur le rapporteur, que vous m'avez répondu sur la caisse des dépôts et consignations. Il se trouve que j'ai compris que, euh, pour des raisons aussi euh, opérationnelles, la caisse des dépôts et consignations n'est pas habituée à gérer des comptes. Donc, j'ai proposé un, un autre sous-amendement, sur lequel vous m'avez pas répondu, d'une entité public qui ne doit pas être très exposé euh, à l'extrémité américaine puisque c'est la Banque de France et la Banque de France est, est habituée à gérer des comptes. Donc on pourrait très bien ici aujourd'hui se mettre d'accord que par subsidiarité et après naturellement uniquement pour les entreprises et les plateformes labellisées. Celles dans le cadre de l'amendement qu'on va adopter aussi sur les plateformes, tout ça est très encadré. Il ne s'agit pas de, 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 de faire euh, de mettre euh, en risque la Banque de France, puisque euh, les entreprises que je vise, elles seront toutes labellisées. Il s'agit juste d'aller jusqu'au bout sur la création d'un euh, droit au compte. Et on peut très bien demander à la Banque de France de le faire. Voilà. Bien, merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Euh, donc, euh, tout d'abord, euh, un avis favorable sur l'amendement la, 2480, qui est en pleine cohérence avec euh, euh, l'amendement adopté en commission spéciale sur les plateformes. En revanche, un, plus, toujours un avis de retrait sur les euh, deux sous-amendements de Madame de rodière euh, Pour la, la caisse des dépôts et consignations, on a en effet l'application des mêmes euh, règles de connaissance du client que dans les, les banques commerciales, et, et donc on ne trouverait pas une solution au sujet, et je pense que la Banque de France serait dans, la, dans le même état d'esprit, euh, avec une, une prudence sur ce, ce type de, de, de choses. Donc, je, je ne pense pas que. Enfin, je pense qu'il faut donner sa chance au, au dispositif que, qui est proposé, qui, et qui est, euh, qui est le, la non-discrimination et euh, qui est déjà puissant. Et, et Éventuellement y revenir si ça ne fonctionne pas, mais donnons sa chance à ce dispositif. Monsieur le rapporteur. Oui, je ne veux pas vous faire une, une, une réponse euh, euh, tarte à la crème, mais peut-être qu'une autre, euh, une autre, une autre chose qui pourrait être faite dans, dans le cadre de cette discussion, c'est d'ajouter à, à l'amendement euh, l'escure euh, de fin de discussion. Euh, une euh, oui une évaluation de la, de, de la situation du, euh, des, des, des droits aux comptes, ou en tout cas des comptes refusés, euh, d'ici quelques mois ou quelques années pour vérifier si, une, si une, une solution alternative doit être trouvée et comment. Et ça nous sera aussi le temps peut-être d'examiner euh, la capacité de la Banque de France à, à jouer ce rôle, parce que jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas effectivement... Euh, eu beaucoup de, de temps pour échanger sur ce sujet-là avec eux. Voilà. Je vois que Monsieur le rapporteur général est ravi d'accueillir, au fur et à mesure des débats, autant de sous-amendements à la fin du débat. La <laughs> nuit de vendredi prochain sera longue pour <laughs> discuter tous ces sous-amendements. C'est ça, c'est un amendement porte avion un peu. Ouais, ouais. Bien, Mme Delarodière. Monsieur le Président, je vais retirer le 2859, mais je ne vais pas retirer le 2860. Parce que je suis très inquiète en fait. Et je, je, je le dis honnêtement à mes collègues qui ont travaillé sur le même sujet que je vous. Et je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que si une banque publique n'a pas l'audace la, de pouvoir ouvrir un compte pour des entreprises qui ont été labellisées, pour lequel on aura regardé si les KYC, si la lutte entre, contre le blanchiment est bien appliquée, pour lequel pour les, les plateformes d'échange, de, de conversion euh, de bitcoin en, 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 en fiat auront été faites, contrôlées par la CPR et tout ça. Si une banque publique, sans exposition à l'international, n'est pas capable de le faire, ça m'inquiète beaucoup. De pour les, les, les autres banques, en fait, pour les banques internationales privées, il ne faut pas rêver. En fait, là, on est en train de, de, de mentir aux entrepreneurs de la blockchain. D'un côté, on fait quelque chose qui est très bien dans l'article 26 avec la régulation, et je le soutiens pleinement, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et il faut le faire, et vous le savez. Alors moi, je veux bien faire un rapport dans deux ans, mais dès aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 200, de, 200 émissions d'ICO de, de, en Suisse, il y en a 20 en France, et on va creuser l'écart. Et après, on n'aura plus que les yeux pour pleurer parce que l'ensemble de l'activité sera partie en Suisse. Voilà. On ne peut, on, on peut pas développer une activité économique sans banque. Donc il faut réellement créer dans notre loi une, un droit aux banques. Et, alors, je vous avais proposé la caisse des dépôts en commission, je vous propose la Banque de France, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Donc je maintiens mon article, mon sous-amendement 2860 765. Merci madame de la Donc je consulte sur le 2860 avis défavorable de la commission et du gouvernement confirmé. Donc qui est pour contre, il n'est pas adopté. Je mets au voie l'amendement 2480 qui est pour, contre, il est adopté. Madame de donc l'amendement 1765. Oui, c'est un amendement de repli où je précise en repli, fait, repli, euh, repli. par rapport au simili droit au compte que nous avons mis dans l'article 26, le fait que euh, les conditions d'application du président Alinéa sont précisées par décret et qu'il va préciser notamment le délai de recours en cas de refus des, des établissements de crédit, ainsi que les sanctions appliquées en cas de manquement à leurs obligations, leurs obligations étant la non-discrimination. Il, il y a une obligation de non-discrimination. Il faut que si on estime réellement qu'il y a une discrimination qui est faite par les établissements bancaires, il puisse y avoir une sanction. Attendez, pour clarifier, là vous étiez bien sur le 1882, puisque le 1765 avait été retiré jeudi pour. L'hémicycle, voilà. Et le sous-amendement, M. barreau 2853 Oui, donc le, le, le sous-amendement vise à, à confirmer que les, euh, la précision des délais de recours euh, en cas de refus des établissements de crédit, euh, mais pas euh, la partie des sanctions qui viendraient euh, percuter le droit au compte tel qu'il est défini dans les amendements que nous avons euh, adoptés. Donc, madame la ministre, l'avis sur le sous-amendement et l'amendement? oui, monsieur le président. donc, avis favorable à l'amendement la, sous-amendé. d'accord? donc, vous êtes favorable au sous-amendement et à l'amendement? Hein voilà. et votre avis, monsieur le rapporteur, donc sur l'amendement? vous êtes favorable, une fois sous-amendé, j'imagine. voilà. bien, donc, je mets... oui, vous voulez... allez-y. qu'est-ce qui se passe s'il y a discrimination? Qu'est ce qui se passe si on constate en fait que les banques continuent à ne pas ouvrir euh, euh, un compte à un entrepreneur qui est labellisé, qui est de bonne foi, euh, pour lequel il n'y a aucune raison euh, qu'on n'ouvre pas de compte? Qu'est-ce qui se passe? Il y aura discrimination, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la sanction qui sera appliquée Madame la ministre? Euh, donc, euh, s'il y a discrimination, il y a recours au juge possible, et il y a également le régulateur bancaire qui peut se pencher sur la question de la C.P.A. Bien, donc je mets aux voix le sous-amendement avec un avis favorable du gouvernement, qui est pour. Merci contre. Il est adopté, et je mets aux voix l'amendement. 1882, ainsi euh, sous-amendé, avec un avis favorable du gouvernement qui est pour, contre, il est adopté. Madame de la l'amendement 1650. Oui, monsieur le Président, je crois que j'ai été assez longue sur ce sujet et que je me suis fait comprendre. <laughs> voilà, il est défendu. Merci, madame de la Monsieur Bottorel, votre amendement 2728 Non Monsieur Persson, qui Monsieur le défendra. Persson. Très bien. Non, je, voilà, je pense que beaucoup de choses ont été dites dans cet hémicycle sur le sujet. Euh, on a auditionné avec les collègues à peu près 150 agents économiques qui travaillent sur le sujet. Et la première des inquiétudes, c'est en effet le droit au compte. Ce droit au compte, il est aujourd'hui fermé pour beaucoup d'entrepreneurs de la blockchain, quasiment discrétionnairement de la part des banques. Et euh, ces, euh, ces entrepreneurs n'ont pas la possibilité euh, de faire valoir euh, ce droit au compte. J'entends euh, les arguments avancés par, euh, par le gouvernement, j'entends euh, euh, les arguments avancés aussi par l'opposition. Pour autant, euh, on aura beau euh, créer un régime fiscal euh, lisible, stable, on aura beau euh, créer euh, une réglementation stable et efficace qui, qui rendra la, la place de la France attractive. Pour autant, si aujourd'hui nos entrepreneurs ne sont pas en capacité euh, d'ouvrir un compte en France, eh bien ils quitteront l'étranger. Ils quitteront et ils partiront à l'étranger. D'ailleurs, c'est la plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la première pierre en fait, qui fait qu'un entrepreneur français qui souhaite investir en France euh, eh bien, décide d'investir à l'étranger et de créer son business model à l'étranger. Et donc il faut que nous apportions une, une réponse en ce sens. Euh, vous avez trois choix, soit ne rien faire, et je pense que dans ce cas-là, la réglementation que nous sommes en train de voter sera inopérante, soit considérer euh, qu'à moyen terme, la labellisation sera implicitement un moyen et un levier pour pouvoir euh, se saisir de la question, mais dans ce cas-là, je pense que ça prendra du temps, soit avoir une position un petit peu radicale, dirons-nous, mais qui euh, est plus contraignante et qui fait rentrer soit des acteurs comme la Banque de France et la CDC dans le jeu, mais pour autant... Je pense qu'il y a besoin quand même d'un signe de la part du, du législateur et du pouvoir public en place, parce que sinon nous n'arriverons à rien et on ne peut pas se permettre sur ce sujet de prendre six mois de retard. Voilà. Pour conclure simplement, je pense que tout le monde est d'accord ici que ce n'est pas un sujet politique. Je regrette quand même que certaines administrations, certaines institutions fassent de la politique avec ce sujet et euh, je souhaite que tous ensemble, on défende un écosystème qui a vocation à se développer, parce qu'il s'agit de l'avenir dont nous parlons. Merci, M. Persson. Madame Delaraudière, vous avez un sous-amendement 2861. Oui, je m'étais raccrochée à l'amendement aussi de, de Pierre Persson pour, euh, qui propose que ce soit la Caisse des dépôts et consignations qui soit par subsidiarité, euh, euh, ce, ce, cette, euh, fournisse en fait cet accès au compte. Et donc là, je prene, proposais, avec la rédaction qui existe en fait dans le Code monétaire et financier, que ce soit la Banque de France. Ça permet une nouvelle fois d'insister sur l'importance de ce sujet. Je veux dire, Pierre Persson est rapporteur d'une mission euh, pour la commission des finances. Pierre Persson est de la majorité. Je suis co-rapporteur avec Jean-Michel Mise d'une mission sur les blockchains. Je suis de l'opposition. Je veux dire, on est là, on n'est pas sur un sujet politique. Si on vous le dit, c'est qu'on est absolument persuadé, après les 130 auditions, nous on a dû en faire une centaine, on a fait des déplacements, on a été écouter le terrain sur le fait qu'il faut inscrire ce droit au compte de façon normative, donc beaucoup plus normative que c'est aujourd'hui dans l'article 26, dans notre loi. Voilà, alors vous pouvez nous dire aussi qu'on pourra le revoir en seconde lecture parce que ça vous permettra de voir la Banque de France, de voir la Caisse des dépôts. Dites-nous au moins que vous allez faire un groupe de travail avec ces acteurs, que vous nous associerez pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. C'est un sujet majeur, on ne peut pas en rester là en fait. C'est vraiment, euh, c'est pour ça qu'on insiste, euh, Pierre Persson, mais je sais aussi bien que Eric Botorel, Valérie Affort. Euh, Maintien, Christine, Aignon, tous mes collègues qui ont travaillé sur ce sujet sont en phase avec moi. Voilà. Mais, et, et avec nous, euh, on vous demande un engagement euh, du gouvernement d'avancer beaucoup plus loin sur le droit au compte. Sinon, on n'aura pas le développement de l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies en France. Et ça sera, et ça sera dommage, parce qu'il y aura eu un travail de fond fait sur la régulation. Il y aura un travail de fond fait, paraît-il, en PLF, sur la comptabilité, sur la fiscalité. Il manque un étage à la fusée, Quoi c'est tout. Merci, Monsieur le Rapporteur, votre avis sur les trois amendements. Bon, euh, je voudrais simplement euh, que on rappelle et qu'on se rappelle les uns et les autres qu'il y a déjà énormément de travail et que, avec les apports de la commission spéciale et avec les apports que nous allons adopter aujourd'hui, il y a un bloc et c'est le cas de le dire, considérable qui a ajouté au texte initial du gouvernement. Et c'est grâce effectivement aux députés qui ont travaillé à ce sujet et à la pression bienveillante et amicale qu'ils ont exercée sur le gouvernement et sur les, les autorités de supervision qu'on a abouti là. Donc il ne faut pas non plus bouder le plaisir qu'un tel effort et travail commun parlementaire ait pu faire bouger les lignes de cette manière-là. Ensuite, euh, effectivement, il faut, euh, il faut aller euh, jusqu'au bout et donc il faut que ce droit au compte euh, euh, soit opérationnel et pleinement opérant. Est-ce que c'est en confiant les choses à la caisse des dépôts euh, Nous n'en sommes pas convaincus. La Banque de France, la question se pose. Est-ce que, même si la, la Banque de France euh, pouvait le faire, est-ce qu'elle le ferait de bon gré C'est-à-dire, est-ce que si un... Pardon Ah ben il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui, qui soit sur son ordinateur. Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui ait la bonne volonté d'être à l'écoute euh, du, euh, du, du, du chef d'entreprise, du fondateur d'entreprise, pour qu'en qu toute bienveillance, elle lui ouvre son compte. Vous avez une autre piste. Euh, vous nous avez poussé à réfléchir à une autre piste qui, à mon avis, est intéressante. La Banque de France, il faudra peut-être creuser un peu plus que nous, nous l'avons fait jusqu'à présent. L'autre piste qui est intéressante, c'est que dès lors qu'il y a un droit au compte, dès, là, dès lors qu'il y a un recours qui existe, quand le droit au compte vous est, euh, ne vous est pas accordé, peut-être faut-il réfléchir au régime des sanctions. Et, et là, euh, s'interroger si effectivement euh, le régime des sanctions est approprié ou si des sanctions plus lourdes pourraient être éventuellement, euh, je dirais, infligées aux banques qui ne jouent pas le jeu. Mais à nouveau, euh, c'est une réflexion qu'il faut que nous ayons. Je crois que nous avons une semaine euh, depuis la commission spéciale très chargée sur ce sujet, puisque l'amendement 2492 qui arrive apporte une amélioration très considérable au texte. Peut-être que le sujet n'est pas terminé, le texte n'est pas encore arrivé jusqu'au bout, et s'il faut qu'on continue de travailler sur ce sujet, en tout cas, euh, pas de raison particulière de créer un groupe euh, d'études sur le sujet, puisque le groupe est déjà euh, constitué, et je vous propose qu'on continue, non seulement dans le cadre de la discussion de ce texte, de réfléchir aux pistes éventuelles, mais également, après son adoption, de vérifier que tout fonctionne euh, comme nous l'avons souhaité. Donc c'est défavorable sur ces amendements, sur le rapporteur. Voilà. Madame la ministre. Oui, merci. Et donc, sur euh, ce sujet, en effet, qui est, qui est important, on a, on a en effet un, un dispositif qui, euh, aujourd'hui, a été euh, bien complété. Nous avons à la fois, euh, je dirais, le, le cadre de confiance euh, que nous créons, qui, vont, qui va susciter l'intérêt, qui va euh, attirer euh, des, des investisseurs, des émetteurs. Euh, qui va, je pense, attirer aussi des acteurs du secteur bancaire, euh, qui est un secteur concurrentiel où il y a de nouveaux acteurs euh, prêts, me semble-t-il, à se positionner sur ce genre de choses, euh, dès lors que nous créons euh, ce, ce cadre de confiance euh, nouveau et innovant en France. En revanche, en effet, si, ça ne, si on voit que ça ne fonctionne pas, il est clair que euh, nous reprendrons nos travaux en associant euh, toutes euh, les expertises et les bonnes volontés autour de ce sujet. Donc, avis défavorable aussi. Défavorable également. Voilà. Donc, avis défavorable de la Commission du gouvernement sur le 1650, qui est pour, contre, il n'est pas adopté. D'abord, le sous-amendement de Madame de la Rodière, avis défavorable, Commission gouvernement sur le 2861, qui est pour, contre, il n'est pas adopté. Et enfin, l'amendement de M. Persson. 2728, avis défavorable, commission gouvernement qui est pour. Attendez, levez les mains alors parce que. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui est contre Il est adopté. Je mets aux voix l'article 26 qui est pour. Je mets au voie l'article 26, qui est pour, contre. Il est adopté. Après l'article 26, qui présente l'amendement 2492, Monsieur Bottorel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, le présent amendement vise à mettre en place un régime relatif aux intermédiaires sur les marchés des actifs numériques et à transposer les dispositions de la cinquième directive anti-blanchiment s'agissant de ces mêmes acteurs. L'amendement vise à mettre en place un environnement favorisant l'intégrité, la transparence et la sécurité des services concernés pour les investisseurs, tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant pour le développement d'un écosystème robuste. Au-delà de la transposition de la directive anti-blanchiment, il est proposé pour les prestataires de services établis en France de solliciter un, un agrément optionnel. Cette faculté apporte une réponse pragmatique aux défis posés par le marché émergent des cryptoactifs, tout en tenant compte du faible nombre d'acteurs présents en France à ce stade. Le caractère facultatif permet d'envoyer un signal positif quant à la capacité des autorités publiques à prendre en compte l'évolution rapide de ce marché, mais d'attirer d'ores et déjà les acteurs sérieux. La délivrance de l'agrément serait assurée par un guichet unique auprès de l'AMF, qui solliciterait l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur certains sujets, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les obligations imposées aux acteurs qui sollicite, sollicitent le visa font l'objet de règles adaptées aux différents métiers visés, et ce afin de tenir compte des risques et spécificités propres à chacun d'entre eux. La nomenclature des prestataires de services couvre en outre un large champ d'activité afin de permettre à un maximum d'acteurs de solliciter un agrément. Enfin, l'amendement prévoit sous deux ans une évaluation du dispositif afin de remédier à d'éventuels dysfonctionnements. Voilà la présentation de l'amendement qui doit faire quatre ou cinq pages. Je ne sais pas si les uns et les autres ont eu la curiosité d'aller le lire, mais effectivement, il vient enrichir le Dispositif. Je voudrais remercier les collègues qui ont travaillé sur le sujet et associer bien évidemment euh, Madame la Ministre, ses équipes. Et je pense que, euh, vous savez, Madame la Rodière, vous, vous parliez de la Suisse tout à l'heure. Je voyais un article il y a peu là, euh, sur le leadership de la Suisse. Je ne suis pas sûr que les informations soient toujours à jour. La Suisse est en train de se faire tailler des croupières. Et je pense que si on adopte ça ce soir, eh bien, on va les reléguer encore beaucoup plus loin. Merci. Il y a une série de sous-amendements. Madame de la Rodière, le 2864. Dans, après la ligne 5, euh, 17, je souhaiterais qu'on précise que les services de vente de supports de clés privées euh, ont la même en fait, régulation que les services qui vont avoir le label AMF par cet amendement. En fait, pourquoi je précise ça Parce que dans la rédaction actuelle euh, de l'amendement de, de M. Taquet et de mes collègues de la République en marche, euh, vous avez cinq catégories euh, d'activités et selon les catégories d'activités, vous avez différentes régulations proposées. Les deux premières vont avoir une régulation euh, plus stricte avec. Euh, un agrément de la CPR et les autres ont un label AMF. Euh, dans la rédaction du premier alinéa, il est marqué que les services de conservation sur des clés privées euh, subiront, enfin, auront la régulation euh, avec l'agrément de la CPR. Or, nous avons une entreprise en France euh, qui a maintenant une un renommée internationale qui s'appelle Ledger qui en passe de devenir ce qu'on appelle une licorne dans ce domaine-là. Et elle fabrique en fait des clés qui permettent, des, des, des clés qui permettent le stockage, en fait, euh, non pas des cryptoactifs mais de la trace qui permet euh, de, de lier avec le porte-monnaie. Et il faut simplement que son activité soit labellisée à AMF. Et c'est pour ça que je peux, me permets de mettre une précision de ce type-là. Il n'y a aucune raison en fait, que l'activité de vente de. De les services de vente de support de clés privées euh, subissent, je dirais, la réglementation CPR. Merci. Votre sous-amendement 2865. Alors, la logique, c'est pareil. Je rajoute une, une précision pour que les services de conservation de clés cryptographiques qui ne sont pas des services de dépôt d'actifs numériques euh, soient bien intégrés en fait, dans la cinquième catégorie et qu'elles soient soumises euh, au label AMF mais pas à l'agrément CPR. Ce sont, à mon avis, des précisions importantes parce qu'il y a dans la rédaction en fait, de l'amendement une certaine ambiguïté pour la première catégorie des prestataires visés euh, pour l'agrément CPR. Excusez-moi, c'est un peu technique. Mais c'est extrêmement important de savoir dans quelle catégorie se trouve chacun des acteurs visés par cet amendement. Merci bien. Ensuite, madame la ministre, je vais un sous-amendement 2863 rectifié. Merci. Il s'agit de clarifier le système de supervision de ce dispositif. Le sous-amendement proposé par le gouvernement permet de confier à l'ACPR des compétences plus robustes en matière de lutte contre le blanchiment pour les acteurs assurant une prestation de conservation ou d'échange entre monnaie légale et actifs numériques. Ce choix assure que les compétences et les moyens des superviseurs soient au mieux mis à profit dans le cadre de ce dispositif et en contrepartie, la logique de guichet unique est clarifiée. Merci, Madame la Ministre. Et enfin, deux sous-amendements identiques, Monsieur Persson, le 2847. Merci, Monsieur le Président. Euh, le présent sous-amendement donc vise à ne pas présenter les orientations du rapport que le gouvernement remettra au Parlement sur l'évaluation du présent article. À mon sens, il serait contre-productif de définir trop précisément le cadre de réflexion future du gouvernement. Ainsi, il convient de supprimer la fin de phrase du dernier aninéa afin de laisser toutes les portes ouvertes et les éventualités d'options des dispositions applicables aux intermédiaires sur les marchés des cryptoactifs. Je vous remercie. Merci. Madame de la le 2862, identique Identique, donc voilà. euh, je le défends. Voilà. Merci. Et enfin, euh, ma... Madame Dalloz, il y a un amendement 1667 qui est défendu. Allez-y. C'est un amendement donc de, du président Eric Voert, très complet. Mais le premier enjeu de cet amendement, c'est d'abord de, de définir très clairement, d'apporter une précision sur la notion et sur la définition des crypto-monnaies dans le cadre de, à la fois du code monétaire et à la fois suite à une directive européenne qui est cité dans l'amendement. Merci Madame Dalloz. Monsieur le rapporteur, votre avis sur tous ces amendements, l'amendement et les sous-amendements Merci Monsieur le Président. Alors sur le, bon, le, le 24 92 et le 16 67, sont deux amendements qui visent à, à créer un statut, un visa pour les plateformes. Et c'était donc la pièce qu'il fallait ajouter à ce projet de loi pour qu'il soit pleinement opérant. On va retenir la rédaction de, du 24-92 de M. Taquet, sous-amendé par le 18-63 du gouvernement qui clarifie les rôles respectifs de l'AMF et de la CPR dans la, je dirais, dans la, 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 la supervision de chacun des types d'acteurs. Ensuite, sur les deux amendements euh, 2847 et 2862 de M. Persson et de Mme de Harodière, ce sera des demandes de retrait, parce que euh, nous croyons dans le dispositif et nous pensons que s'il est euh, évalué le moment venu, euh, que euh, ce visa optionnel fonctionnera parfaitement et que euh, le, la, la question de le rendre obligatoire ne se posera pas. Si jamais il y avait des, des dévoiements du système qui conduisent ou des évolutions de situation qui conduisent à, à rendre un visa obligatoire, plus enfin, euh, opportun, à ce moment-là, il faudra naturellement qu'on puisse y réfléchir. Donc je vous propose de retirer ces, ces amendements, puisque en, en ayant confiance dans le dispositif, il n'y a pas de raison euh, vraiment de, euh, de craindre qu'on puisse se reposer la question dans quelques années. Et ensuite, sur les deux amendements de, ma, de Madame de la je vais euh, donner une euh, sagesse, tout en sachant bien que, que euh, ces, ces deux alinéas a priori, devrait être euh, traité par voie réglementaire. C'est-à-dire que le, le texte est suffisant en lui-même et ces deux euh, alinéas que vous souhaitez ajouter à cet amendement devraient être euh, traités. Mais peut-être euh, Madame la Ministre pourra compléter euh, mon propos. Tout à fait, Madame la Ministre, à vous. Défavorable, ça a été dit. Oui, vous Merci, dit tout à Monsieur le Président, donc pour le gouvernement, euh, tout comme le rapporteur, euh, nous préférons l'amendement euh, 2492 au 1667. Donc, nous sommes favorables au 2492. Euh, défavorable au 1667 mais nous souhaitons le sous-amendement évidemment du 2492 par le sous-amendement sous du gouvernement euh, nous ne sommes pas favorables euh, au sous-amendement de monsieur Persson, nous souhaitons maintenir euh, le fait qu'un rapport sera établi qui ne préjuge pas, qui ne préjuge absolument pas euh, de la décision qui sera prise mais nous souhaitons que ce rapport euh, soit, soit établi et pour répondre à, à madame Madame de la euh, euh, je, je, je confirme en effet qu'un texte réglementaire, un décret, va venir euh, euh, préciser euh, ces dispositions. Nous avons repris dans le, dans le texte euh, la définition européenne que nous devons transposer, mais dans le texte réglementaire, nous ferons bien attention à ce que la simple vente d'un support technologique de conservation sans prestation d'un autre service ne rentre pas dans le champ. Donc, vous êtes défavorable aux deux sous-amendements Oui, autre que ceux du gouvernement. D'accord. Bien. Donc, oui, Monsieur Fasquel Non, pardonnez-moi, je n'ai pas compris pourquoi vous avez écarté le 16, 1667 d'Eric Werth, puisqu'il s'agit de transposer la directive européenne quant à la définition des crypto-actifs. Est-ce que vous pourriez donner au moins une raison valable d'écarter cet amendement Monsieur le rapporteur Oui, il y a une définition des cryptoactifs dans le 2492 que nous avons adopté et qui traite du, du problème fondamental qui est du statut des plateformes. Donc le 2492 est plus complet et donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable sur le 67. Pour clarifier, la Commission privilégie. Le 24-92 rectifié au 1667. Voilà. J'ai bien traduit. Parfait.